Allez, je reprends le contrôle des opérations pour vous souhaiter la bienvenue sur Génération Micro pour cette nouvelle vidéo qui va décrypter un des titres les plus originaux sortis dans les années 80, Hacker d'Activision. Et vous venez justement de voir le tout début du jeu avec Matthew Broderick en guest star. Bon alors, si Hacker a marqué le public qui s'y essayait lors de sa sortie en 85, c'est avant tout grâce à son concept hyper original qui vous mettait dans la peau d'un pirate, bien caché derrière son écran pour essayer de résoudre ce qui semble être une conspiration mondiale. Et tout ça, sans rien savoir du jeu avant de le commencer. Mais je vais y revenir par la suite. Et avant de détailler plus son concept, intéressons-nous un petit peu à son créateur, un certain Steve Cartwright. Il est entré chez Activision en 82, où il a rejoint un de ses copains de lycée, un certain David Crane, cofondateur d'Activision et célèbre créateur de Pitfall sur Atari 2600. Il sera d'ailleurs le cinquième développeur d'Activision quand il intégrera la boîte cette année-là. Juste pour comparer, aujourd'hui, Activision approche les 10 000 employés. La petite boîte d'une bande de potes au départ a bien grandi. Pour en revenir à Steve, il commencera d'ailleurs par travailler sur l'Atari 2600, fournissant plusieurs jeux, dont SeaQuest et Megamania. Mais le crack du marché des consoles aux États-Unis en 83 fit changer un peu les plans d'Activision, qui allait se mettre à développer sur les micro-ordinateurs de l'époque. Et Steve est donc missionné pour développer un jeu sur micro qui sera son premier développement sur ces machines. Le pitch de départ du jeu était de faire un simulateur de livraison de courrier via des tunnels souterrains. Alors oui, dit comme ça paraît un peu bizarre et pas forcément plus intéressant que ça. Mais très vite, le scénario va évoluer vers un complot international où on devra utiliser un robot piloté à distance qui circulera via des souterrains pour échanger des objets et résoudre le mystère. Hacker était né, le développement pouvait avancer. Et 9 mois plus tard, le jeu était complété, mais il lui manquait encore un nom. Wargames avec Matthew Broderick venait de sortir et il cartonnait au box-office. Activision choisit donc de le nommer Hacker, un terme qui semblait être dans l'air du temps. Le jeu allait être montré au CES de Chicago, qui était l'équivalent de l'E3 de nos jours. Mais l'équipe d'Activision n'était pas plus confiante que ça, doutant du potentiel commercial d'un jeu basé sur un concept de piratage. Mais la démo allait vite les convaincre, faisant le buzz et rassurant Activision sur le futur hit qu'allait devenir Hacker. Et justement, revenons un peu sur cette démonstration pour le moins particulière. Steve déclara aux journalistes avant de commencer que la disquette de démo avait été endommagée et qu'ils avaient besoin d'un modem pour se connecter sur les serveurs d'Activision et télécharger la dernière version du jeu. Il tapa différentes commandes sur l'ordinateur et l'invite de commande login apparut. Il rentra un login bidon et joua la surprise quand l'ordinateur indiqua que la connexion n'avait pas pu se faire. Il réessaya, puis l'écran indiqua qu'ils avaient pénétré un système secret d'un serveur. Les journalistes étaient complètement scotchés, ne comprenant pas ce qui se passait. Et c'est là qu'il leur indiqua « Mesdames et messieurs, ceci est le jeu ». Et ils savaient alors que ce serait un succès. Il faut noter aussi qu'il n'y avait pas de possibilité de sauvegarder sa partie, cette fonctionnalité faisant trop penser à un jeu et ne voulait pas que le hacker soit influencé par ses considérations vidéoludiques, ce qui rajoutait forcément à l'immersion. Et ils ont poussé le concept jusqu'au packaging du jeu. Le mode d'emploi, fourni avec la cassette ou la disquette, indiquait juste « C'est tout, les instructions complètes, nous vous disons comment charger le jeu et quelques détails utiles, le reste, c'est à vous de le découvrir ». Le principe du jeu est en fait de déplacer un robot qu'on dirige à distance sur une carte du monde, via des tunnels souterrains. À vous de dresser cette carte, puis de remonter à la surface pour parler avec des espions et échanger des objets. Au final, vous devez reconstituer un document secret qui décrit un complot mondial. Alors le gameplay n'est pas forcément très poussé, mais c'est avant tout un jeu d'atmosphère comme l'indique le développeur Steve, avec une tension permanente liée à un jeu dont on ne sait rien avant de le commencer. À sa sortie en 85, le jeu fut un grand succès, à la fois public et critique. En 87, on compte 50 000 ventes du jeu, ce qui en fait un des plus grands succès d'Activision sur ordinateur. Il fut porté en 85 et 86 sur toutes les plateformes 8 bits du marché, puis ensuite sur les différentes 16 bits. Et qui dit grand succès dit forcément suite. Steve se mettra directement au travail sur cette suite, qui sortira un an après le premier opus. Le jeu sera fortement amélioré, mais également un peu plus difficile. Le joueur dirigera toujours un robot, mais cette fois-ci il y aura des notions de jeu d'infiltration, où il faudra éviter gardes et systèmes de sécurité.
il deviendra donc de facto le premier jeu d'espionnage et d'infiltration de l'histoire, un an avant la sortie du premier épisode Metal Gear d'Hideo Kojima sur MSX. Il sortira également sur toutes les plateformes de l'époque, du Commodore 64 au Macintosh, en passant par l'Amiga et autres Apple IIgs. Et la presse le recevra plutôt bien, notant au passage les améliorations par rapport au premier opus. Et voilà, il n'y aura pas de Hacker 3, mais cette série aura apporté un renouveau dans l'approche du gameplay et de la place du joueur dans le jeu. Et justement, faisons maintenant une petite revue de presse de l'époque pour voir comment ce jeu a été accueilli par les journalistes. Et on commence cette revue de presse par le test de Hacker dans le magazine Tilt, donc le numéro 25, c'est l'édition d'octobre 85. Alors on se rend compte que le testeur ne sait pas trop à quel type de jeu il a affaire. Donc on commence le test par un énigmatique, et il termine son test en disant « Ce nouveau logiciel d'Activision inaugure un nouveau type de jeu qui demande plus aux candidats. À vous de relever le défi et de percer le mystère de cette aventure définitive, un jeu qui ne peut laisser indifférent. » Et si on regarde le type qui est indiqué dans le test, c'est marqué recherche stratégique. Voilà, ils ne savent pas trop quel type de jeu c'est. Voilà, le jeu est plutôt bien noté. Donc voilà pour le test de Hacker. Et cette fois-ci, on retrouve le test de Hacker 2 dans le numéro d'octobre 86 de Tilt. Alors ici, c'est dans la rubrique Tube et donc ils testent trois versions à la fois. Donc on commence par la version Atari ST où ils décrivent vraiment le gameplay du jeu. Et après, ils font un petit paragraphe sur les versions Apple II et les versions IBM PC, en décrivant les différences, et surtout des différences graphiques et sonores, puisque le gameplay est le même. Donc, un bon test, le jeu bien noté, intérêt 4, graphisme 5, animation 5. Alors, ils mettent type aventure-action, mais quand on lit le test, voilà, ça fait vraiment penser à un jeu d'infiltration, un genre qui n'existait pas forcément à l'époque. Mais voilà, ils disent de faire attention aux caméras pour choisir... son chemin, donc voilà, un des premiers jeux d'infiltration de l'histoire. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le jeu Hacker, un jeu qui a marqué par son originalité le petit monde du jeu vidéo à l'époque. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.